Lors de sa sortie officielle ce mercredi 30 octobre, l'Association nationale pour le développement du Gabon a mis en lumière ses objectifs et ses valeurs, centrées sur le vivre ensemble et le développement durable du Gabon. Nous avons plusieurs missions, mais la mission principale, c'est de pouvoir inciter les jeunes à pouvoir s'autonomiser en les accompagnant dans la création, la maîtrise et la gestion des petits métiers. Ne dit-on pas que un proverbe chinois le dit, il est mieux d'apprendre à un homme à pêcher qu'à lui donner du poisson tous les jours. Parce que le développement du Gabon passe par l'implication et la participation de tous les Gabonais au référendum à venir, le président de l'association en a profité pour inciter les uns et les autres à voter pour le oui. Notre sortie coïncide avec le lancement officiel de la campagne du référendum constitutionnel, qui est un moment très important pour notre pays, un moment crucial. Nous allons y participer avec dynamisme, avec acharnement et en envoyant nos équipes sur le terrain pour aller battre campagne pour le oui. Pour aller battre campagne pour le oui et surtout d'inciter les populations à aller voter massivement. L'Association nationale pour le développement du Gabon, qui prône l'inclusion sociale, se positionne comme un acteur important dans la dynamique de développement du pays. Elle invite donc chaque Gabonais à y adhérer pour jouer sa partition.